Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Aujourd'hui à la balado, notre invité incarne le country traditionnel avec une touche acadienne. C'est très bon, ça fait chaud au cœur et je suis super content de l'avoir ici aujourd'hui. Salut Daniel, comment vas-tu? Allô, ça va bien toi? Puis ça fait 25 ans que tu fais du country toi. Ça veut dire que je commence à vieillir. Ça montre que le country est toujours à mode. Qu'est-ce que tu dirais qui est le monde du country dans ton coin puis sur la scène francophone canadienne? C'est quoi la place du country? Ben nous autres, par chez nous, le country c'est très très fort. Ça a toujours été, moi, dès mon enfance, c'est tout ce qu'on écoutait, c'était du country. Puis même à mon adolescence, à l'école, nous autres, entre amis, c'était du Merle Haggard, du George Jones, Alan Jackson, George Strait. C'est beaucoup des chanteurs country américains qu'on écoutait. Même la radio communautaire, tu sais, ils se nomment la radio qui joue le vrai country. Alors c'est très très populaire au sud-est du Nouveau-Brunswick, le country. Ouais. Sur ton dernier album, Un air de country, tu dis que c'est ton l'album t'es probablement le plus fier, qui démontre probablement justement tout ce bagage-là que tu as depuis les 25 dernières années. Quelles chansons on devrait écouter en premier sur l'album pour vraiment apprendre à te connaître comme personne? Sur le nouvel album, je dis la première chanson de toutes, c'est ma préférée de l'album, la chanson « Je n'avais pas l'intention de tomber en amour ». C'est une chanson, c'est vraiment drôle la manière que j'ai eu. Moi, quand j'écris mes chansons, les inspirations, ça vient de n'importe où. Puis celle-là, c'était juste comique, cette chanson-là. Je m'ai réveillé, c'était comme 4 heures du matin, puis l'air me jouait dans la tête. Puis je voulais pas réveiller ma femme, puis je voulais pas réveiller mon chien. Ça fait que je m'ai tenu réveillé jusqu'à 6 heures du matin en me jouant ça dans la tête. Puis dès que j'ai pu prendre mon téléphone puis enregistrer ça, 30 minutes après, j'avais toute la chanson décrite. Mais je crois que c'est celle-là que j'aime le plus, moi, personnellement, de l'album. Mm-hmm. Puis on a même fait un petit vidéoclip qui est très comique, si jamais vous avez chance d'aller voir ça sur YouTube. Des gens par chez nous, donc on a fait une petite scène. Là, puis c'est vraiment, vraiment comique, le petit vidéoclip. Mais pour ma chanson préférée de l'album, je dirais que c'est « Je n'avais pas l'intention », qui est la première pièce de l'album. Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson? L'histoire de la chanson, c'est... le vidéoclip, il y a une petite tournure comique, là, mais l'histoire de la chanson, c'est juste je m'en vais dans un bar, puis juste que je dis, je m'en vais juste là prendre un verre ou deux, puis il y a cette jolie demoiselle ici qui entre, puis qu'elle a mon intention de s'en entrer, mais c'est elle qui vient se montrer intéressée, puis je lui dis, je n'avais pas l'intention de tomber en amour ici à soir, moi je venais juste prendre un verre ou deux, mais c'est elle qui a tout changé mes plans de la soirée. Oui, toujours de la faute à quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, mais c'était sa faute, mais c'était une belle faute. Je n'avais pas l'intention de tomber en amour à soi. Je n'ai juste ici pour prendre un verre ou deux. Mes plans ont changé lorsque je t'ai aperçu. Je n'avais pas l'intention de tomber en amour à soi. En spectacle, qu'est-ce que tu proposes comme formule? Puis à quoi ça ressemble une soirée en spectacle avec toi? Qu'est-ce que tu aimes faire sur scène? Ben moi, en même temps, c'est un show. Il n'y a pas beaucoup de chansons slow, premièrement. C'est beaucoup upbeat. Mais moi, mes spectacles, là, on fait ça full band. Moi, j'ai tout. J'ai joueur de violon, j'ai la steel guitar, j'ai la batterie, la bass, le drum. Tu sais, là, on en wave. Puis, je dirais, 75-80%, c'est mes propres compositions. Mais là, les autres, là, on tombe dans quelques. Je fais quelques chansons anglaises, des artistes qui m'ont beaucoup influencé, des chansons de soit Johnny Cash, Merle Haggard, George Strait. On en wave des choses comme ça. Puis, c'est vraiment un show. Pour les gens qui aiment le country, nous autres, nos shows, c'est assez un show de party. Parle-moi un peu de où ta musique t'a fait voyager. Est-ce que t'as voyagé déjà en Ontario? Si oui, qu'est-ce que t'as trouvé? Quel a été ton coup de cœur? Honnêtement, en Ontario, j'ai seulement fait un festival country qui s'ouvre vraiment à l'est de l'Ontario, à Wendover. Oui. Mais moi, c'est surtout dans l'Outaouais, tu sais, plutôt dans le Québec
que j'ai été, mais j'ai jamais trop joué à l'Ontario. C'est un territoire vraiment que j'ai pas découvert encore. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'aller faire cette vitrine ici à Contact. On a des cowboys à l'Ontario, tu vas voir. Oui, OK. mettez vos chapeaux, puis mettez vos bottes, puis venez faire avec nous autres. Quand il y a un festival, disons un festival country, comme celui de Woodnover, dans lequel tu as déjà participé, les gens sont là parce que c'est des amateurs de country. Parce qu'ils connaissent leur affaire, parce qu'ils suivent, puis ils vont aller écouter le même artiste over and over encore. Ils sont vraiment fans. C'est quoi ta relation avec ton public et avec ces amateurs de country là, qui te suivent après tant d'années? Premièrement, c'est très, très apprécié. C'est ça, on dit souvent ça, que les fans du country, c'est les meilleurs fans qu'il n'y a pas, parce que c'est tellement des gens qu'ils viennent te parler après le show, puis tu vois vraiment qu'ils sont tellement sympathiques, puis ils sont tellement contents de voir. Puis moi, j'aime bien jaser avec les gens, puis d'entendre leurs histoires qu'ils ont nous raconter, que ce soit une telle chanson qui le fait penser à toi, ou une telle chanson qu'ils ont peut-être utilisée pour leur danse de mariage ou quelque chose comme ça. Puis, c'est ça. Je pense, c'est comme que j'ai dit tantôt, que le country, c'est la musique qui vient du cœur. Puis, je pense que c'est peut-être ça qui fait que les gens se sentent tellement rapprochés de nous autres. Hey Daniel, merci beaucoup. J'espère vraiment te voir dans une salle, dans un festival. J'aime beaucoup la musique country. J'ai beaucoup apprécié écouter tes albums. J'invite les gens à le faire aussi. Puis, j'espère que ta vitrine va bien aller. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.